Daniel, dans ce livre, apporte un matériau à l'histoire, absolument, hein, à la fois par ce qu'elle dit elle-même des femmes, on vient de le dire, et par son expérience de femme et de femmes psychanalyste, psychologue, médecin, etc. Donc oui, c'est un morceau d'histoire. Et l'histoire des femmes ou d'autres choses se fait avec des témoignages. C'est très très important, hein. Et imaginons les historiens dans X années. Le livre de Daniel, c'est comme un moment. Et un moment qui témoigne à la fois des rapports actuels entre médecins et malades, en raison de ce formidable progrès qui est aussi un rouleau compresseur aussi, hein, les deux, et également un matériau d'histoire sur quelqu'un qui s'empare de ça, qui l'analyse, qui à sa manière résiste, incite à résister, hein. Oser, dit-elle, lire les notices, vous emparer des médicaments. Au fond, elle nous incite à être lucides et conscients, voilà, de nos vies. Et c'est en quoi ce livre me paraît important, voilà, important, très bouleversant, ça touche beaucoup, et généreux. C'est un livre généreux. C'est un livre qui est lucide, s'empare d'une situation, l'analyse et donne ça aux autres en disant « Vous, hein, vous, osez. » Voilà.